est Pierre Ferracci? Un riche homme d'affaires qui n'a que faire du littoral insulaire? Un enfant de la Rondinard qui a construit là où il a grandi? Un ami du président Macron pour le meilleur ou pour le pire? À vous de décider, en l'écoutant se raconter en photo, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Pierre. Votre vie que l'on va raconter en photo. Ça ne me rajeunit pas, mais... C'est vous qui allez la raconter d'ailleurs en photo, si vous le voulez bien. Là, on est plutôt dans les photos de jeunesse, hein, l'enfance. Et on va commencer par où? On va commencer par là, si vous le voulez bien. Par le père, par Albert. Oh, combien important! Très important, comme tous les pères, mais celui-là, en plus, avait une belle audience en Corse, puisque c'était une des figures de proue du Parti communiste. Et ça a bercé ma jeunesse. Parfois, on ne l'a pas assez vu, parce qu'il était souvent absent. Le militantisme, ça bouffe du temps. D'autant que mon père est resté instituteur jusqu'à la fin de sa vie. Il a fait cohabiter son activité politique et son activité professionnelle. Mais bon, toujours impressionnant, très ouvert. Communiste. On n'a pas encore dit le mot, mais il est important quand même, Pierre. Communiste de 20 jusqu'à sa mort. Hein, il est mort à 91 ans. Un peu moins de 20 ans et presque 91 ans, donc plus de 70 ans consacrés à son parti, malgré quelques vicissitudes et quelques petits désaccords avec sa direction. Fidèle au parti, communiste italien, vous m'avez dit quand j'ai préparé l'émission. Communiste italien parce qu'il était très ouvert, très tolérant, je pense très respecté aussi par la classe politique corse, de droite et de gauche. À son enterrement, il y a eu trois beaux discours d'ailleurs, deux présidents de droite, Jean Baggioni et Camille de Rocasser, et puis Dominique Bouquin, qui était président de l'Assemblée à ce moment-là, qui a eu un peu plus de mal à parler parce qu'il était très ému. Et donc communiste italien parce qu'ouvert sur la société, très tolérant, très respectueux des autres, et notamment de ses adversaires, ce qui est assez rare aujourd'hui en politique. Du père, on passe à la mère, si vous le voulez bien. On est où, la mère, une forte personnalité aussi. Elle, c'était le syndicalisme. À l'époque, c'était la Fédération de l'Éducation nationale, avant l'éclatement du syndicalisme enseignant. Et à côté, c'est ma sœur, qui a l'air un peu plus enjouée que moi. J'ai l'air un peu bougon. Ma sœur aînée, qui a un an de plus que moi, 14 mois de plus que moi, et que j'aime beaucoup aussi, bien sûr. On est à Grosseto. On est à Grosseto, c'est le village de maman, Prugna plus exactement. C'est quoi comme le nom de famille de votre maman? Colonna Bozzi. Colonna Bozzi. Et les Ferracci sont de? Les Ferracci de Suerton, donc de Bonifacio. Eh bien tiens, on fait un petit saut sur Bonifacio si vous le voulez bien. Ça, et c'est on sort sur une photo. On est où là? Vous êtes là, vous? Ça, on est à Suerton, dans les environs immédiats de Suerton. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est sans doute un lundi de Pâques où on mangeait souvent des oursins. En famille, parfois tous les quatre. Mon père, ma mère, ma sœur et moi, parfois on était un peu plus nombreux. Je me rappelle de Pâques 71, où on est 60 autour des oursins, et c'est moi qui les pêche tout seul depuis le début de la matinée. Là, j'étais plus jeune, mais c'était de bons moments, quoi, parce qu'on passait beaucoup de temps à Suerton. Suerton, c'est pas loin d'où vous avez construit votre fameuse maison. On y reviendra plus tard. On y reviendra. Mais effectivement, et pour voir qu'il y a quand même cette photo, c'est qu'à Suerton, effectivement... Votre papa, c'est encore, là, il a 80 ans passés. On a continué de venir à y manger les oursins. Il y a quand même une anecdote qui m'intéresse, moi. C'est qu'un jour, vous étiez sur la plage, comme ça, à Suerton, et il y a une maison qui est construite pas loin, qui s'appelle la maison de... C'était la maison de Gabriac, famille qui avait acheté des Ferracci, d'ailleurs, la propriété. Et moi, je faisais de la chasse sous-marine à ce moment-là, et mon père m'attendait sur les rochers. Et un des éléments de la famille, qui était une famille respectable par ailleurs, qui avait à peu près mon âge, 4 ou 5 ans de plus, une vingtaine d'années, a fait remarquer à mon père, moi j'étais encore dans l'eau, qu'il était sur une propriété privée et que l'accès en était interdit. Et mon père lui avait fait valoir à l'époque, ça m'avait marqué, que l'accès à la mer n'était interdit à personne et qu'un petit peu plus haut, la famille en question était sur les terres des Ferracci et qu'il fallait forcément négocier déjà à l'époque. Et c'est une ouverture d'esprit, là aussi, pour l'accès à la mer que j'ai retenu et qui m'a marqué. On y reviendra peut-être. On va y revenir certainement. Allez, on va à Ajaccio. Vous faites toute votre scolarité en Corse. L'école annexe de garçons, celle qui est c'est pas loin de la place Millau. Il n'y a que des garçons, d'ailleurs. Je vais vers mes 10 ans à l'époque. Vous êtes là? Oui, je suis là. Je vous ai reconnu. Et à côté de moi, il y a Ignace, un de mes bons copains. Et derrière moi, tout en haut, là, il y a Jean-Pierre Fratogne, qui est le père de mes deux nièces.
Et puis je reconnais à peu près tout le monde ici, c'est assez fabuleux. C'est vrai? Ah ben oui, bien sûr. Oui. Édouard Coutel, Barthélémy Mass. Vous vous souvenez d'absolument tous les noms et prénoms? Bien sûr, tout le monde. Yannick Auger à côté de Jean-Pierre, Toussaint Michelletti à côté, à sa droite, Sauveur Albertini aussi. C'est assez étonnant. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour toutes les classes, mais en tout cas pour celle-là, ça m'a marqué, parce qu'avec certains, on était ensemble depuis un petit moment déjà. Et puis c'est une école qui m'a marqué aussi. J'avais un instituteur d'ailleurs en CM2 qui était un communiste issu aussi de la Résistance, qui m'a aussi marqué, qui était très sévère d'ailleurs à l'époque, qui nous embêtait beaucoup. Mais Jérôme Santarelli, qui m'a beaucoup marqué, qui était très ami bien entendu avec mon père. Très jeune, vous voulez faire de l'économie vous, hein, Pierre? Oui, dès le lycée, je suis passionné par l'économie, je lis beaucoup d'ouvrages d'économie. Et donc, Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît dans l'économie, Pierre? Parce que c'est sans doute la matière la plus proche de la politique, que c'était une façon aussi d'être proche de l'héritage de mes parents et de partager une partie de leurs idées, oui, aussi. Et bien justement, en restant proche des parents, il y a l'économie et puis il y a l'art. J'ai pris cette affiche parce que à peine arrivé en fac, vous avez votre bac, bien sûr, je suis à l'université de Dauphine, je prends des responsabilités à l'UNEF, qui était à l'époque un syndicat divisé, d'ailleurs il y avait deux UNEF à l'époque, la réunification a eu lieu plus tard, mais je prends des responsabilités à l'UNEF d'abord au niveau parisien, et puis après au niveau national, et je fais cohabiter mes études d'économie et mes responsabilités syndicales. Et c'est le commencement d'une belle aventure, j'ai l'impression, de faire cohabiter et économie et syndicalisme, non? Parce qu'effectivement, c'est une façon, effectivement, de me guider plus tard sur un chemin qui m'a beaucoup plu et qui a fait aussi ma personnalité et mon destin professionnel. Et bien, votre destin professionnel, c'est dans la pièce d'à côté qui se joue. Allez, venez avec moi. Voilà, installez-vous confortablement. Et là, pour le coup, vous laissez guider par les photos qui vont défiler sur ce mur. La première, Pierre, la voici. Ah, les comités d'entreprise, ça vous parle, ça? Bah oui, ça me parle parce que quand je suis dirigeant de l'UNEF, j'ai des contacts avec des organisations syndicales, et notamment la CGT, et on m'incite à travailler dans un premier temps avec un comité d'entreprise dans l'industrie automobile, et dans un deuxième temps avec un cabinet d'experts comptables qui travaille aussi pour les comités d'entreprise et qui a une relation privilégiée à l'époque avec la CGT, parmi d'autres organisations syndicales. Et ça vous donne une idée, notamment grâce à ce ministre communiste. Ben oui, parce qu'au moment où j'entre dans ce cabinet d'expertise comptable, il y a les lois Auroux, du nom de ce ministre, Jean Auroux, avec lequel j'entretiens encore d'excellentes relations. On est en 82. 82. Oui. Et Jean Auroux change beaucoup de choses, à la fois pour les syndicats, pour les comités d'entreprise, et pour les experts des comités d'entreprise, leur champ s'élargit considérablement. Et je me dis que c'est le moment de lancer une belle aventure avec d'autres, mais j'en suis un petit peu le pilote. L'idée est simple, c'est de doter les comités d'entreprise et les organisations syndicales de moyens et de compétences qui sont équivalents à ceux dont bénéficient les directions d'entreprise pour équilibrer les rapports et les relations dans l'entreprise. C'est une idée, j'ai envie de dire, de génie, parce que peu de temps après naît ce groupe, le groupe Alpha. Alors aujourd'hui, le groupe Alpha, j'ai dit quelques chiffres, mais vous allez me donner la genèse. C'est 1000 collaborateurs, c'est 2000 CE gérés, oui. C'est énorme, Alpha. Vous avez trouvé l'idée? J'ai pensé qu'il y avait quelque chose à faire dans le domaine des comités d'entreprise, même si aujourd'hui le groupe Alpha travaille aussi pour les collectivités locales, beaucoup, notamment pour les régions d'ailleurs, et puis pour les villes, mais en même temps travaille aussi pour les entreprises sur certains terrains. Mais le groupe Alpha est né effectivement avec les lois Auroux, de cette idée de rééquilibrage qui m'est chère, parce que je pense que la négociation d'entreprise, il faut la développer avec des acteurs qui soient un petit peu solides sur leur base. Et le déséquilibre entre les salariés et les employeurs rend parfois difficile ces négociations. On essaye de rétablir ces équilibres-là et je crois qu'on y réussit assez souvent. Et en ce moment, justement, vous êtes en train de travailler sur les ordonnances, justement. Vous êtes en plein là-dedans. Les ordonnances, bien sûr, parce qu'elles modifient à la fois beaucoup de choses pour les syndicats, beaucoup de choses aussi pour nous qui travaillons avec les syndicats ou avec les entreprises. Et donc, les ordonnances, je les regarde avec un œil forcément critique. Pourquoi? Parce que je trouve que la première version est assez déséquilibrée. Quand vous avez trois organisations d'employeurs qui applaudissent et tous les syndicats peu ou prou qui critiquent, parfois sévèrement, parfois avec plus de nuances, vous vous dites que la flexibilité est sans doute au bout du chemin et que la sécurité pour les salariés l'est un peu moins. Donc, il faut rééquilibrer la donne. J'espère que les autres négociations qui suivent le permettront, mais ça sera quelque chose de difficile. Moi, je suis pour un équilibre dans les négociations qui, avec ces ordonnances, peut être un peu mis à mal, quoi que certains en disent.
Ça illustre mes relations avec... Avec la CGT, des relations amicales quand même. Hein, c'est votre ami, Bernard Thibault, l'ancien... Bernard Thibault est mon ami. Je dirais que professionnellement, j'ai le devoir d'avoir des relations de qualité avec tous les dirigeants syndicaux. Ceux de la CGT en particulier, parce qu'il y a une relation historique, mais ceux de la CFE-CGC, ceux de la CFDT, ceux de Force ouvrière, et c'est aujourd'hui le cas. Bon, après, il y a avec la CGT un rapport historique que j'ai toujours assumé parce qu'il est de qualité, et puis des relations amicales aussi avec Bernard Thibault. Les nations fortes économiquement, c'est les nations où le taux de syndicalisme est fort. Oui, en tout cas, il y a des modèles où il est bien évident que la capacité économique d'un pays n'est pas du tout contradictoire avec la présence syndicale forte, et que la capacité qui est de plus en plus demandée aujourd'hui dans le monde de trouver un équilibre entre les besoins des entreprises et puis les besoins des salariés, elle est mieux satisfaite quand il y a un syndicalisme fort que quand il est faible. Vous êtes pour qu'il y ait un petit peu moins de syndicats en France. On sait qu'en Allemagne, il n'y en a qu'un, c'est peut-être pas le modèle, mais dans les pays scandinaves, il y en a trois grandes organisations syndicales. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être un petit peu ça en France, pour que le syndicalisme soit plus puissant. C'est dans les pays scandinaves et en Allemagne, il n'y en a qu'un, c'est en Italie qu'il y en a trois, en Espagne qu'il y en a deux. Nous, il y en a 8 aujourd'hui. Peut-être que, c'est une chimère et ce n'est pas forcément très utile, et ça ne correspond pas à nos habitudes latines, je dirais, où il faut un peu de diversité et de pluralisme. Mais entre 8 et 1, il y a de la marge. Et je pense qu'il y aurait 3 ou 4 confédérations syndicales aujourd'hui. Les salariés s'en porteraient mieux et surtout les entreprises s'en porteraient mieux. Parce que des syndicats plus puissants, c'est aussi des accords sur le plan économique et sur le plan social plus équilibrés. Et un pouvoir entre les salariés et les actionnaires qui se tient et qui n'est pas déséquilibré au profit de l'un vis-à-vis de l'autre. Parce qu'il y a du dialogue. Parce qu'il y a du dialogue et de la capacité de négociation. Permettez, avant que vous parliez, à 17 ans, on n'en a pas parlé, mais vous rejoignez les Jeunesses communistes. 83-84, vous quittez le Parti communiste. Oui, je l'ai rejoint au moment de la campagne de Jacques Duclos, qui fait un score très, très élevé au premier tour des élections présidentielles. Et je le quitte dans les années 80, d'abord parce que je pense que la ligne qui est illustrée par Georges Marchais n'est pas la bonne, et qu'elle a amené d'ailleurs le Parti communiste à décliner très sérieusement par la suite, et qu'il y a un autre regard à porter sur la façon de construire des démocraties et d'assurer le développement économique. Et puis peut-être aussi parce que mon père, qui est toujours communiste à ce moment-là et qui le reste jusqu'à la fin de sa vie, a quelques petits problèmes avec la direction du Parti communiste à l'époque. Sa fédération fait partie des 4 ou 5 fédérations qui sont un peu en dissidence avec la ligne de Georges Marchais, qui ne sont pas d'accord notamment sur la façon de quitter le gouvernement d'union de la gauche, et sur le rapport entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Et je suis un peu choqué par la façon dont mon père est traité à ce moment-là. Ce sont des petits secrets de famille, mais je sais qu'il en a beaucoup souffert. Ça ne l'a pas empêché de garder le cap. Il restera fidèle et vous couperez le cordon. Et moi, je m'en écarte sur la pointe des pieds. Pourquoi sur la pointe des pieds? Peut-être vis-à-vis de mon père et de ma mère. Enfin, ma mère l'assume davantage et l'assume mieux. Mais vis-à-vis de mon père, on a fait comme si pendant quelques années, j'étais encore membre de ce parti. On avait des discussions tout aussi riches. Cette photo, c'est votre fils. C'est le mariage de votre fils, Marc, qui se marie avec Sophie. Et où cette photo est intéressante, en dehors du bonheur, c'est la petite personne qu'on a là-bas, en arrière-plan, en train de jeter des fleurs. Et cette personne, on la retrouve avec sa femme au mariage, là. Votre fils, son ami, c'est Emmanuel Macron. Eh oui, ça joue parfois quelques tours, la relation avec Emmanuel Macron. Bon, c'est le témoin de mariage de Marc, et Marc sera son témoin de mariage 2 ans plus tard. Ils se sont rencontrés en faisant leurs études à Sciences Po, et ils ont lié une très forte amitié, qu'ils assument tous les deux, qui est très très forte. Eh bien, quand le meilleur ami de mon fils rentre dans le circuit et que c'est quelqu'un de grande qualité, quoi qu'on pense de sa politique, et tout cela ne dit rien de mes engagements politiques par rapport à celui de l'actuel président de la République, mais on entre forcément en relation avec lui, et je crois que c'est une personnalité suffisamment forte aujourd'hui pour que je m'en félicite. Ça me permet de lui dire des choses, y compris des choses... Alors, effectivement, vous êtes vraiment rentré dans le cercle. Puisque dès 2015, c'est en dînant avec lui, vous êtes un des premiers Français à qui il dit qu'il va le faire, qu'il va se présenter pour la présidentielle. Oui, d'ailleurs, ça m'étonne beaucoup parce qu'il y en a qui ont tout vu quelques années plus tôt, mais moi, je reconnais que ça a été une surprise. Oui, il nous annonce, je suis avec Marc d'ailleurs à ce moment-là, qu'il va se présenter à l'élection présidentielle. Ça m'étonne un petit peu parce que je pense qu'il parle de 2022 alors qu'il parle de 2017.
Et en tout cas, il se prépare à lancer une aventure. Bon, moi, compte tenu de mes relations avec lui, je suis à la fois intrigué et attentif. Et même si je ne partage pas tout de ses orientations politiques, le bonhomme m'intéresse parce que c'est une personnalité, je pense, assez exceptionnelle, qui a une vision de ce qu'il veut faire de la France. Mais en même temps, je trouve que le pari est extrêmement risqué et en même temps, il a réussi. Alors, c'est risqué, c'est peut-être d'être un petit peu son ami. Et si vous le voulez bien, on va l'avoir dans une prochaine salle, que ça peut être bien d'être son ami, mais des fois, ça peut poser quelques petits soucis. Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir à côté? On peut aller voir. Allez, venez, venez bien. Alors Pierre, ultime partie de l'émission en numérique, on est dans une pièce avec des écrans. Quand on tape Pierre Ferracci sur un moteur de recherche, devinez ce qui sort en premier actuellement. Est-ce que ça vous étonnera? Ben oui, oui. Alors j'ai envie de dire malheureusement, c'est une photo récente ou... Non, elle n'est pas récente. Aujourd'hui, la végétation a poussé, les fleurs et les arbres sont là. Et dans quelques temps, on ne verra plus grand-chose de la mer, en tout cas, et ça sera parfaitement respectueux de l'environnement. Alors, j'ai deux questions à vous poser, moi, Pierre. La première, c'est si vous avez construit cette maison ici, Pierre, est-ce que c'est en rapport avec ce dont on a parlé il y a quelques petites minutes? C'est un peu pour venger votre père, l'humiliation qu'il a subie quand, il y a 50 ans, 40 ans de ça, il était sur une plage vers là, et qu'on lui a dit « Sortez, monsieur ». Est-ce que c'est une vengeance? D'abord, non, mon père n'a pas été humilié, il a résisté et puis il a été assez serein en l'occurrence. Peut-être qu'il y a un peu de ça dans mon inconscient, mais il y a surtout la volonté au village, on le savait, de construire dans un endroit où j'ai parcouru pendant mon enfance toutes les terres. Et j'avais envie de construire là et de sortir un petit peu du village, et tout en respectant l'environnement. Je crois que je l'ai fait. Il ne faut pas oublier que j'ai un permis confirmé par 3 juridictions et que ce qu'on peut me reprocher, c'est de l'avoir modifié, mais pour la bonne cause. Plus petit, mieux intégré dans le site, les juridictions le reconnaissent, puis ceux qui passent ici le reconnaissent également. Donc c'est un peu calamiteux d'avoir droit à ça. Alors justement, c'est la deuxième question. Que vous le vouliez ou non aujourd'hui, Pierre Ferracci, vous êtes un peu le symbole de ces hommes riches qui arrivent en Corse et qui se permettent tout, de construire dans des endroits vierges. On ne va pas revenir sur le volet juridique de l'affaire, on n'est pas là pour ça. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Vous. L'endroit n'est pas vierge. D'être un symbole. Il y a une maison symbole. Depuis plus de 50 ans. Ici. Je ne suis pas un milliardaire, je n'ai pas la propriété de ma résidence principale à Paris. Je l'ai vendue à l'époque pour acheter ce terrain. Et surtout, je trouve que c'est surtout le symbole, cette manifestation, qui a recueilli quelques dizaines de personnes. C'est le symbole de l'instrumentalisation de l'écologie pour des raisons politiques, pour des raisons patrimoniales. Il y a ici, pas tous et pas toutes, mais il y a ici des femmes et des hommes qui s'occupent de leurs petites affaires pendant la journée, parfois de paillotes illégales, qui s'occupent de la politique le soir et qui, le dimanche matin, redécouvrent le chemin des associations environnementales. Ça suffit. Et quand j'entends l'un d'entre eux lire un discours qu'il n'a sûrement pas écrit lui-même, qui va chercher la mémoire de mon père pour l'opposer à son fils, je trouve qu'on n'est pas dans le respect des valeurs corses, dans le respect des morts. Et que si mon père avait été là, peut-être qu'il aurait surpris le petit jeune qui a dit des choses qui sont absolument insupportables, qui lui ont valu d'ailleurs une très belle lettre de ma sœur que je rendrai peut-être publique un jour. Donc ça nous a touchés, ça nous a meurtris, mais on reste serein parce que la justice est avec nous, parce que l'environnement est avec nous, et parce qu'encore une fois, s'il n'y avait pas eu des élections territoriales en fin d'année et une instrumentalisation politique de certaines associations et certains collectifs, ce battage n'aurait jamais existé. Et je reproche à ces associations ou à ces collectifs d'être très sélectifs, très sélectifs. Il y a des horreurs à côté de chez moi qui n'ont jamais mobilisé ces associations. Je dis bien des horreurs et des atteintes à l'environnement. Moi, je le respecte parce que j'ai vécu dès ma plus jeune enfance sur ce territoire et je le respecterai jusqu'à ma mort. Il n'y a pas que ça sur Internet, Pierre. Il y a ceci aussi. Ça, c'est plus sympathique. Vous retrouvez le sourire. Mais le foot me ravisse aussi, hein, je vous rassure. Vous êtes président d'un club. Oui. Hein, le Paris Football Club, le PFC. On vous voit un petit peu partout, d'ailleurs, avec les médias. Vous êtes très, très présent.
Mais j'ai l'impression, Pierre, que vous avez déjà, il y a quelques années, essayé de prendre le Red Star. Ouais. Aujourd'hui, le Paris Football Club, il vous faut absolument un club de foot, Pierre ? Pour un homme de gauche, d'ailleurs, le Red Star était plus dans ma cible, mais oui. La vie a fait que ce n'était pas possible à l'époque. Mais non, il ne me faut pas un club de foot. C'est un projet d'entreprise comme un autre, basé sur la formation des jeunes. C'est un excellent club formateur. Puis c'est vrai, quand on a le PSG et les Qataris à Paris, avec les moyens planétaires qu'ils ont donnés à ce club, on a envie d'exister autrement. Moi, je suis un supporter du Gazélec. Mon enfance a été bercée par les exploits du Gazélec en championnat de France amateur. J'ai aussi supporté le Sporting, dont je regrette qu'il ait eu ce destin. Donc faire un autre club à Paris avec un modèle totalement différent de celui c'est des Qataris. C'est quoi le modèle, justement ? Parce que le projet d'entreprise, vous n'allez pas gagner d'argent là dans le foot. Ah, on est d'accord. Malheureusement, il faut déjà éviter d'en perdre. Vous allez même peut-être en perdre. C'est quoi le modèle ? Le modèle, c'est la formation. Le bassin francilien est sûrement, avec celui de Sao Paulo au Brésil, un des meilleurs du monde. Donc si on a la chance de gérer ces pépites intelligemment, il y a une bonne raison d'y croire et d'avoir demain un deuxième club à Paris. Pour moi, c'est un projet d'entreprise autant et aussi fort que le groupe Alpha. Ce qu'il faut, c'est que ça soit pérenne, que vous teniez 2 ans en Ligue 2 de manière à avoir un centre de formation. Agréé. Le centre de formation, il existe déjà. Mais agréé, pour pouvoir garder vos jeunes. Et là, voilà. Et là, il y aura peut-être une nouvelle politique. En tout cas, vous avez plein d'idées. Ben là, on va arrêter de nous piquer chaque année 15 à 20 jeunes et en général les plus talentueux. On va pouvoir les garder davantage. Certains nous échapperont. Et à partir de là, le modèle sportif d'abord et économique sera plus facile à maîtriser. Tiens, le modèle économique, il est là. On vous suit aussi. Vous êtes sur toutes les chaînes. Hein. Oui, ben là... vous avez une soif de médias, vous expliquez. Pourquoi vous faites autant d'apparitions ? Parce que le métier de consultant et le métier que je fais, qui permet de rapprocher les acteurs en conseillant les syndicats, les comités d'entreprise, parfois aussi les entreprises, nécessite parfois que l'on s'exprime, pas trop, il ne faut pas en abuser. Mais quand on fait appel à moi pour donner une explication ou un regard, par exemple, sur les ordonnances, j'y vais volontiers. En général, je ne cache pas ce que je pense. J'y vais assez droit au but. Et je crois que ma parole est assez appréciée parce qu'elle est respectueuse des différents points de vue, même si j'ai le mien et que je le défends en général avec beaucoup de fougue et de passion. Il nous reste un écran, si vous le voulez bien. Alors, j'ai fait un peu de photomontage pour tout vous dire. C'est une petite... Je ne sais pas si ça va vous plaire. Enfin, je ne suis pas là pour vous plaire. Hein. Je suis là pour vous montrer des photos. On va regarder... Votez Ferracci 2022. Pourquoi vous ne faites pas de politique ? Ou est-ce que c'est, mon programme, emploi, travail et compétitivité. Vous parlez beaucoup de politique, vous adorez la politique, vous fréquentez donc Macron. Hein. Pourquoi vous ne vous lancez pas, Pierre ? En tout cas, si j'avais envie de m'intéresser à la politique en Corse avec ce que j'ai subi autour de mes constructions légitimes, ça me refroidirait peut-être un petit peu. Peut-être que parce que je pense qu'il y a une autre façon de faire de la politique aujourd'hui, c'est d'être engagé professionnellement, c'est d'être engagé aussi dans le sport. Si le football dérive, la société dérive réciproquement, et que donc à côté des partis politiques traditionnels, il y a des choses à faire. Si le système politique a explosé, c'est peut-être aussi, et Macron et Mélenchon en ont profité d'ailleurs, l'un et l'autre, sur des offres différentes, c'est peut-être aussi que les partis politiques traditionnels n'ont pas vu la vraie vie et la réalité des problèmes qui se posent aux Français. Il y en a d'autres qui les traitent à côté, mais je crois quand même à la légitimité des partis politiques, et j'espère que certains se réveilleront demain. Donc vous ne prenez pas un club de foot pour nous faire une Bernard Tapie ou une Berlusconi, non ? Sûrement pas. J'ai mal calculé mon coup. Pour faire un beau projet d'entreprise et un club formateur encore une fois. Et il y a cette dernière photo. Du PCF au PFC. Comment on passe, Pierre ? Jeunesse communiste à 17 ans. Aujourd'hui, vous êtes dans le monde ultra-capitaliste. Mais non, je ne suis pas dans le monde ultra-capitaliste. Je me bats contre les inégalités au quotidien dans mon travail. J'essaie de rééquilibrer les choses dans l'entreprise, entre les employeurs et les salariés. Donc je suis patron par ailleurs, et j'ai 1000 salariés avec moi et puis quelques dizaines d'associés. Mais je suis sur un terrain qui a toujours été le mien sous des formes différentes. Et ceux qui me présentent comme un homme d'affaires ou un milliardaire passent complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'il y a de commun à PCF et à PFC ? CPF, Pierre Ferracci. Voilà, pour répondre à votre et alors, idée amicale. Vous êtes toujours un homme de gauche ? C'est quoi un homme de gauche, Pierre ? Un homme de gauche, c'est un homme qui est obsédé par les inégalités et qui essaie de les traiter, et qui, de temps en temps, n'écoute pas un discours démagogique et populiste qui parle beaucoup des inégalités, et va plutôt vers ceux qui les traitent de façon pragmatique. Et là, il y a des clivages qui sont en train de tomber, et je crois que la gauche, qui est mon courant d'origine et qui le restera, a beaucoup de réflexions à avoir pour se renouveler et pour traiter ce sujet sur lequel on l'attend fortement, beaucoup plus que la droite. Mais il y a aussi des idées à droite qui sont respectables,
et notamment tout ce qui touche à la République et la laïcité, on le trouve parfois à gauche comme à droite. Ça fait l'émission, déjà. Déjà. Une tradition de cette émission, c'est le selfie. Avec vous. Avec, ah bah oui, bien sûr. Donc je serai sur la photo avec vous. Je vais poser. Alors, vous n'avez qu'à vous laisser guider, encore une fois, pour la dernière fois de l'émission. Attendez, je vais prendre mon appareil photo, voilà. Vous souriez, on sourit tous les deux. Merci. Merci Pierre Ferracci. C'était un plaisir. À bientôt, et ça a été un plaisir. Et j'espère que ça sera utile par rapport à certaines questions qu'on se pose aujourd'hui. On verra bien. Merci. Au revoir.